Cette cérémonie sportive a réuni une pléiade d'invités du monde du football venus des quatre coins du pays. La 34e édition de la CAN a lieu du 13 janvier au 11 février prochain en terre ivoirienne. À moins de 3 mois de cette grande messe du football africain, les organisateurs rassurent. La Côte d'Ivoire est bel et bien prête à accueillir cette compétition. Mesdames et messieurs, je voudrais solennellement vous donner l'assurance et prendre l'engagement que la Côte d'Ivoire tiendra son pari d'organiser la meilleure des CAN, comme l'a voulu son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, et comme le désire Monsieur le Premier ministre, le gouvernement et les populations ivoiriennes, qui dans leur ensemble s'apprêtent à donner aux 23 pays l'hospitalité ivoirienne. La Côte d'Ivoire est donc un pays d'accueil, comme on l'a dit, d'hospitalité. Et nous nous préparons pour que, au-delà des matchs, cet événement soit une grande fête du continent africain, une grande fête de la CAF. Après l'intervention du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, place au tirage au sort. Les 24 équipes connaissent désormais leurs adversaires pour cette CAN. La Côte d'Ivoire hérite de la poule A et affronte le Nigeria, la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale. Le président de la Fédération ivoirienne de football FIFA, Yacine Idriss Diallo, et le sélectionneur des éléphants, Jean-Louis Gassé, se disent confiants. La qualité de nos joueurs, le soutien du public et le surpassement. C'est devant un public, on l'a vu à Yamoussoukro, on l'a vu à San Pedro, on l'a vu à Ebimpe. On a un public magnifique qui attend qu'on leur fasse plaisir et on va tout faire pour leur faire plaisir. Plus de petites équipes. Notre objectif à nous aujourd'hui, c'est de nous préparer. C'est ce que nous avons commencé de notre mieux à avoir ce que moi j'appelle le commando qui est à même d'aller chercher le trophée, d'aller le plus loin possible dans la compétition. Le tenant du titre, le Sénégal, est logé dans la poule C, appelée poule de la mort, avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Ce sont le stade Alassane Ouattara de Bimpe, le stade Félix Oufouette-Boigny, le stade de la paix de Boaké, le stade Charles Konambani de Yamoussoukro, le stade Laurent Pokou de San Pedro et le stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo qui accueillent cette édition de la CAN.